Voilà déjà presque 9 ans que Laure Ruquier est aux commandes de l'émission humoristique et culturelle, Les Grosses Têtes. Pour rappel, l'ancienne acolyte de Léa Salamé a repris le flambeau en août 2014. Il succède ainsi à Philippe Bouvard et avant lui, Christophe de Chavannes. Comme à l'accoutumée, sa joyeuse bande revient sur les dernières actualités, le tout avec une bonne dose d'humour. De quoi faire le bonheur des auditeurs de RTL. Récemment, le présentateur de France 2 a d'ailleurs fait une révélation pour le moins inattendue. Celui qui a snobé Magali Berda n'est en effet pas insensible au charme d'un membre du gouvernement. Le heureux élu n'est autre que Gabriel Attal. Gabriel Attal @docteur il est très beau avec les sociétaires du jour, Laurent Ruquier a notamment parlé d'un certain Gabriel Labelle qui a récemment fait la une de l'actualité. Il s'agit de l'acteur canado-américain qui prête ses traits au personnage de Sammy Fabelman dans le film semi-biographique The Fabelmans de Steven Spielberg. Encensé par les critiques, le long métrage figurait parmi les nominés dans plusieurs catégories aux Oscars. À en croire les informations relayées, la prestation de Gabriel Labelle a marqué les esprits. Malgré tout, les chroniqueurs ont eu du mal à le reconnaître. L'humoriste Titoff s'est même permis une petite blague, ce ne serait pas Gabriel Attal? De quoi provoquer l'hilarité générale. Oui, mais voilà, le sexagénaire a profité de cette occasion pour dire tout le bien qu'il pensait du ministre de l'Action et des Comptes Publics. À l'animateur radio de déclarer, il est très beau. Moi, je le trouve très mignon. Il est très sexy Gabriel Attal. Laurent Ruquier en couple avec Hugo Manos. Bien que le célèbre animateur soit un tantinet sous le charme de Gabriel Attal, il est plus heureux que jamais dans les bras de son compagnon actuel, de 26 ans son cadet. Laurent Ruquier et Hugo Manos filent le grand amour depuis 5 ans. L'influenceur et coach sportif lui a d'ailleurs fait une belle déclaration pour son 60e anniversaire.